Quatre amis ont accepté l'invitation mystérieuse d'un homme afin de profiter de son chalet de vacances sur une île fermée au public pour voir les étoiles au calme. Une fois sur place, ils découvrent un cadavre. Le radeau qui les a menés là a disparu. Ils trouvent un étrange œuf, entendent plusieurs coups de feu, et finalement, ils découvrent à minuit d'étranges créatures qui se mettent à les chasser. On prépare les armes. Attendez, regardez où il va. Elle s'est retournée. Elle vient dans votre direction. Bah, elle vient vers nous, en fait. Est-ce qu'on charge à la zone ou est-ce qu'on essaie de continuer avec ça? Je me mets en avant et vous essayez de... Arrête de monter le sang. Je me mets en avant et à ce moment-là, vous essayez de l'entourer. Ok, on sort et on l'entoure. 1, 2, 3. Je vous rappelle que j'ai 2 bras, merde. Nous aussi, on a tous 2 bras. Vous sortez du stand de chasse. Ouais. La créature est devant vous. On essaie de l'entourer ? C'est chargé et on tire. Oui. Alors, on est d'accord que moi, j'ai un bras que je ne peux pas utiliser. Et l'autre qui est... Qui a du mal, quand même. J'ai toujours un fusil, mais qui est dans le dos, mais j'ai un club de golf. D'accord, j'ai un club de golf. Qui peut taper avec le club. Du coup, on tire dessus. Ouais. Ok, fais-moi... test d'agilité. J'ai dépensé un truc d'espoir. Moi, j'ai déguisement, je prends 2 fougères, je peux faire un puissant. Et je vais aussi acheter un... truc. Un dé. Tant qu'à faire. Moi, j'achète un dé aussi. Un dé d'espoir ? Bah, un dé d'espoir plus un dé en plus. Non, un dé en plus. Tant qu'à faire. C'est pas vite, ça. Non, j'arrête l'espoir, 2. Ça marche pas. Ok. 2 sur 5. Tu tires un coup qui vient exploser le haut du bras de Rafa. C'est bien déjà. 4 sur 7. Tu tires aussi des coups qui vient taper dans la carapace de cette créature, mais qui lui fait pas très mal. Merde. Run. Par contre, ça l'énerve. On s'en fout. J'ai envie de crier un gros stop et de parler avec lui. On peut recharger. moi, du coup, j'ai aussi fait un dé d'espoir. Je sais pas quoi faire. Donc, quand j'ai fait un 7 à espoir, c'est pour rejouer, c'est ça ? Oui. Et tu le comptes comme une réussite et tu recommences. Ok. J'ai fait 5. Donc, ça fait 2 réussites. Deux réussites, du coup. Et ouais. Tu tires sur lui, c'est ça ? Oui. Non, ça fait 3 réussites. Ça fait 3 réussites, oui, pardon. Rafa n'a plus de bras. Et tu tires aussi sur la créature et tu lui exploses un tentacule. Oh, j'ai compris. Qui s'avance toujours vers vous, qui casse en courant. Rafa et moi, on a un point commun, on n'a plus de bras. C'est ce que j'ai eu la même pensée. Alors, moi aussi. La télécommande qu'il avait, Rafa, c'est lui qui l'avait encore dans la main ou pas? Ah oui, pour la balise. Oui, c'est lui. Mais il a plus de bras, donc elle est tombée au sol. Ça n'empêche que tu fais toujours ce bruit. Ouais, mais la balise active. Est-ce qu'on coucou on peut ramasser la télécommande? La télécommande est derrière la créature. Ouais, non, mais on court. On court, on abandonne la vers où là? Ouais, mais après on pourra potentiellement la récupérer plus tard. Donc, on court vers le lac. Vers le lac, ouais. Allez, go au lac. On n'arrivera jamais à semer un truc. S'il est là, du coup. Ou alors on court vers le. Non, plutôt par là, vu qu'il y avait les tirs de tout à l'heure. Techniquement, on est ici et il est là. Non, il était là, lui. Ouais, parce qu'il est arrivé par là. Donc autant qu'on court vers le village. En hurlant à l'aide. Ouais. Ok. Les gars, on met tout. On court vers le village et on hurle. En hurlant à l'aide. Ah bah on hurle. Allez. À l'aide. Et on tire en même temps. Est-ce que quelqu'un nous entend? Crache pas. Au secours. Vous courez. Vous arrivez au centre du village. Et alors que vous êtes en plein milieu de la rue, vous voyez de l'autre côté de la rue une autre créature. Ah putain ! Quoi ? Encore une autre ? C'est quoi ce délire ? Il a dit 16 amis ! C'est une réunion ! Oh, c'est pas vrai, mais... Vous arrêtez dans votre course. Ah bah oui, stop là, On fait quoi ? On va où ? Et Rafa vous rappelle et vous dit : vous débattez pas, ça sert à rien. Oh ta gueule, toi ! Franchement, toi, dans la catégorie des idées foireuses, t'es champion du monde.
J'ai beaucoup trop d'assurance et d'aplomb. On est où là sur la carte? Là. On est et là. Et ils sont où les monstres? Il y en a un ici là, et un par devant par ici. On n'a pas 36 000. Pourrait pas y avoir un coup de feu là? On va retourner par là. Bah oui, là il y a pas. On court dans la forêt. On court dans la forêt. On court dans la forêt. Faites-moi un test d'agilité. Agilité simple? Ouais. Je rachète un dé. Une réussite sur deux. Ouais, j'en rachète un dé aussi. Deux réussites sur deux, sur trois. Deux réussites sur quatre. Quatre réussites sur sept. Vous allez vers la direction de la forêt, c'est-à-dire que vous preniez une petite ruelle. Et en sortant de la petite ruelle, vous passez à deux doigts d'une créature qui vous rate. Mais vous arrivez dans la forêt quand même. Oh, mais on continue. Combien, bordel de merde. On continue, on s'arrête pas. Continuez d'avancer. Mais on va où? Je sais rien du tout, mais c'est une putain d'île. Est-ce qu'on va au club de golf? De toute façon, on n'a pas le choix, là. Sachant que c'était là-bas qu'on devait aller, donc il y a quoi là-bas? Je sais pas, mais il faut qu'on trouve un truc pour arrêter tout ça, ou alors pour se casser, et on a ni l'un ni l'autre. Et étant donné que niveau investigation, pour ce qui est de se barrer, on a que dalle, l'option 2 c'est arrêter. Ouais, on court sur le pavé, même si c'est de la forêt, mais ça... Franchement, là je... Bon. Je suis donc à court d'idées. Tu veux qu'on aille au truc de golf, là où il voulait qu'on aille. Je sais pas quoi faire. Je ne me vois pas aller sur la butte pour observer. Vous courez en parlant entre vous. Oui. C'est-à-dire que c'est très bizarre parce que vous allez un petit peu dans toutes les directions. Genre, on va au club, maintenant on va pas au club. Mais je sais pas où aller. Et tout d'un coup vous arrêtez, mais parce que vous entendez un coup de fusil au loin. Vers où? Mais en fait, cette fois-ci, ça tire beaucoup. Il est en train de se battre contre eux, les gars. Faut qu'on y aille. On va vers les coups de feu. Et on recharge. J'ai mon club. J'ai tout le club. Vous retournez dans le village? Là où ça tire. Ok. Là où ça tire. Vous retournez vers le village. On fait demi-tour, quoi. Ouais, bon, bah, allez, go. Vamos. Vous retournez vers le village et... De façon discrète? De façon discrète, s'il te plaît. Ok. Vous êtes dans une ruelle. Oui. Et vous voyez que ces créatures vous recherchent. Vous voyez une créature en particulier avec Rafa sur une de ses tentacules, avec un grand sourire, qui vous recherche. Qui vous recherche et potentiellement, de manière discrète, on se casse. On aurait dû récupérer la télécommande, putain. Et vous voyez une deuxième créature qui a... Une femme au bout d'un tentacule qui elle-même a un fusil au bout de son bras. Oh putain. Courez. Il faut qu'on se barre. Faut qu'on se barre tout de suite là. Bah oui. On n'a pas d'allié en fait. Ah bah du coup demi-tour. Run too. Au moment où vous retournez, vous voyez que il y a une troisième créature. Il y a une créature au bout de la ruelle où d'où vous êtes rentré. Il y en a trois quoi. Oh les gars, je suis pas... Alors, on a encore la lampe ou pas? On a encore la lampe. Il voulait pas qu'on rapporte la lampe sur la... C'est moi qui ai la lampe. J'allume la lampe. Tu allumes la lampe? J'allume la lampe. Balance-lui la lampe. Non, on garde la lampe. On la garde. Mais il voulait pas qu'on ramène de lampe ou de lumière sur l'île. Il a dit pas de lumière. Putain, t'es un génie. Tu allumes la lampe et tu en fais quoi? Enfin, tu la pointe dans la gueule de la tentacule au bout de la ruelle. Dis-moi que ça... Ça la fait reculer. Oh putain. Oh, et bah paquez-vous derrière moi, derrière moi. Merci pour le coup de génie. Archi, frérot, j'ai jamais voulu t'abandonner une seule fois. Ça la fait reculer, mais elle est toujours dans cette ruelle en fait. Du coup, si on avance, ça la pousse. Tout à fait. Ok, bah on va avancer en la poussant. Bah on avance petit à petit en la poussant et vous guettez derrière qu'il y ait pas les autres. Moi j'ai mon arme et je regarde derrière. J'ai mon arme aussi. Vous êtes tous les trois armés, il y a que moi qui le club de golf et la lampe. Toi tu l'as. Et par contre, dès qu'on a dépassé la créature, tu éteins la lampe pour pas qu'on perde de batterie ou de trucs de ce genre. On la garde que quand on est face à une créature. Okay. Vous remarquez que cette créature fait des bruits. Oui, bah oui. Et les autres arrivent derrière vous. Ok. Non, mais elle recule, la créature. Oui, mais les autres arrivent aussi dans votre dos. Non, on court dans ce cas-là. Enfin, Il va falloir passer à côté de cette créature. Faites-moi un test d'agilité. Bah,
Agilité, discrétion, sur imprimerie. On peut rajouter la discrétion ou pas? Ah bah discrétion, non, là y'a pas. Je demandais. Contre ces tentacules. Ah ouais, attends, j'achète un dé. J'ai fait 2 sur 3. Je grille mon premier espoir. Bah moi je prends un autre espoir quand même. Ok. Non, c'était pas le bon dé, pardon. Il est où le 8? Tu veux le 8? 8, non je l'ai. J'ai fait que des échecs sauf mon espoir qui est valide. Ok. Donc t'as fait 1. Ah bah tu peux relancer ton espoir. Ouais mais j'ai 1. Tu peux le relancer. Ouais bah oui, attends. Again and again and again. J'ai 2. En faisant 6 pour l'espoir, ça fait quoi déjà? C'est valide. Rien, c'est juste valide. Bah j'ai 2 valides sur 3. Ok, j'ai 2 valides sur 3. J'ai 3 sur 7. J'ai 2 sur 4. Ok, vous arrivez à passer. Vous êtes de nouveau dans la forêt, mais clairement maintenant ils savent où vous êtes. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Ils vous poursuivent. Alors, on file. On va tout droit. On run comme des débiles sur le practice. On va sur le practice ou C'est ce qui me semble plus logique. Ouais. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que les créatures vous poursuivent, mais aussi vous avez des coups de fusil derrière vous, puisque la femme qui est empalée vous tire dessus. Ouais, mais comment elle recharge son arme, elle? Bah, elle utilise ses mains. C'est une bonne question, mais elle te répond en disant qu'elle sait le fait. Il lui faut bien des balles, en effet. Oui, on continue. Run. Vous allez au practice? Ouais. On sera à découvert là-bas. Bah, c'est ça qui m'inquiète. Bah, tu veux qu'on aille où? On va être à découvert. C'est pas comme si on avait le temps de vraiment savoir où on devait aller. Là, franchement, on est en train de taper le sprint de nos vies, on arrive à un carrefour, on a 5 secondes pour vous êtes toujours poursuivis, ils vous poursuivent. Mais au moins, on pourra savoir combien ils sont. Et au moment où vous arrivez au practice, vous découvrez une quatrième créature. Mais j'en étais sûr. Je te déteste. La lampe, déjà. Toi, tu prépares la lampe. Doudou et la lumière fume. Tu allumes la lampe et tu la diriges vers... La créature devant nous, et faut qu'on les mette toutes les 4 sur le même front, sinon on n'y arrivera jamais. Ok, tu l'éclaires. Je la contourne, tu sais, j'essaie de faire en sorte... Elle est devant nous et on la contourne sur la droite pour se mettre dans son dos et faire en sorte qu'elles sont toutes... Et on est toujours derrière. Moi, je veux voir si elle n'est pas vulnérable pendant qu'on lui balance de la lumière dessus. Genre, est-ce que du coup, ça serait pas un truc qui nous permettrait de lui tirer dessus à ce moment-là? Moi, je peux lui tirer dessus. Je lui tire dessus pendant qu'elle l'allume. Agilité. J'adore allumer les... C'est qui a beaucoup d'agilité? Bah ça va être archi et moi j'en ai pas mal. 2 sur 3. J'en ai 3. Tu lui tires dessus et ça la blesse très légèrement sa carapace. Ok, donc c'est pas... Comme l'autre. Quand même spécial. Ok, je recharge. Vas-y, on essaie de l'éviter dans ce cas-là. Derrière vous, 3 autres créatures. Ouais. Les 3 créatures qui vous poursuivaient sont vraiment derrière vous. On aurait dû faire un feu de camp. Faites-moi un test d'agilité. Le plus gros feu de camp de vie. En bonus, du coup, si c'est pas utile. Allez. Ah, en vrai, je vais reprendre un espoir, ça me reste. 2 sur 3. 2 sur 3 également. 2 réussis. 2 sur 3, du coup. 4 sur 7. Plus de la moyenne. Vos réussites, vous pouvez me dire leur nombre. 6 et 5. 6 et 5. 6, 6, 5 et 4. 5 et 5. Oh, Georgie. Non, c'est qui va prendre, là? 6 et 5. Attends, j'ai déjà 2 bras, moi. Je plaide ma cause comme je peux. Je suis un... Et parce que tu es plus blessé que les autres. Je suis plus faible. Je vais mourir. Tout d'un coup, alors qu'il était en train de tirer sur ses amis, tu te sens transpercé par un tentacule. Oh non. Mais où? Oh mon dieu. Ah, dans l'abdomen, je l'ai pris 20 balles, celle-là. Ah ouais, d'accord, direct. Delphine. Tu ne contrôles plus ton corps. Delphine. Tout va bien. J'avais dit que je voulais essayer de pas mourir pour une fois. Tu ne contrôles plus ton corps. Okay. Tout va bien. Okay. Je ne parle plus du tout. Alors, je tiens juste à préciser que, étant donné que moi, mon perso était clopé des 2 bras, je ne pourrais pas tirer au fusil avec le club de golf, que j'ai d'ailleurs lâché. Oui, oui. Alors, voilà, elle a lâché la lampe. Elle a lâché la lampe qui est au pied d'une créature. Ok, on récupère la lampe. Qui est au pied d'une créature. Ah bah, on récupère pas la lampe. Ouais. On a perdu Delphine. Elle est avec le monstre. 5, 4, on continue de courir. Moi j'essaie d'attraper la lampe. Agilité. J'aurais pas dû. Putain, ouais, je peux encore prendre un espoir. Est-ce que vous pouvez être plus
touché par ma perte. Ah, on est très touché, mais là on est dans le. On est très très touché. On est dans le rush. J'ai que des échecs. J'ai que des réussites. T'es transpercé aussi. On court. On va courir vers le lac du Nord. Le lac du Nord. Vers le lac. La Creed. Ouais, voilà. Allez, go to la Creed. Archie et Gina courent vers l'autre lac, la Creed. Le pet. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez. Et vous entendez les voix de Delphine et de Georgina qui fait rejoignez-nous. Non. Perception. Oui. De voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider. Rejoignez-nous. Il n'y a rien. Rejoignez-nous, les amis. Il n'y a rien. Voilà. Je suis à court d'idées, Archie. Alors, si on file maintenant sur le point de vue. Je sais pas. On contourne le lac. Ouais, on va contourner le lac pour arriver jusqu'au point de vue. Vous contournez le lac. Les créatures sont quatre, vous êtes deux. Elles se séparent en deux groupes. Rejoignez-nous. Alors, je peux nager au milieu. Ouais, on va dans l'eau. Est-ce qu'elles savent nager, ces trucs-là? Ok, vous allez dans l'eau. Elles se mettent à chacune à aux quatre coins du lac. Oh putain, merde. Dans la merde. M'en fous, je reste là. on va mourir noyés. Qu'est-ce non, qu'on non. fait Archie. On peut pas s'en sortir. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas. Bah, allez. Je t'avoue que là, il n'y a pas vraiment de là, solution. Les créatures commencent à plonger leurs tentacules dans l'eau. Non, pas vous. Les tentacules libres. Ok. Faut qu'on se focalise sur une des créatures et qu'on lui tire dessus. Eh ben, la plus proche. Et alors, celle qui serait plutôt par là, du coup. On tente de tirer dessus. Et on la dégomme. Ok. Vous tentez de tirer dessus, vous allez tous les deux me faire un premier test d'agilité pour savoir si vous vous faites pas attraper par un tentacule qui vient dans l'eau. Mais non, bah du coup je vais claquer. Ouais, je prends de l'espoir. Un dé d'espoir et en plus un dé standard. Ouais. Je rachète un nouveau dé. Pareil. Tant qu'à faire. De toute façon, maintenant on est plus à ça. On n'est plus à ça, vrai. Alors, je vais acheter ça. Je suis full dé là. C'est complexe, mais vous allez vous en sortir. Alors, vu que j'ai plongé et natation, je récupère pas un dé. Si. En plus. Ouais, natation. Natation, allez hop. Faut qu'à faire. Allez. J'ai 5 réussites. 2, 3, 4. Vous arrivez à. Enfin, vous les voyez même pas, mais en fait, les tentacules n'arrivent pas à votre niveau. Ok. Vous pouvez tirer. Ça roule. Pour tirer en. Agilité. C'est agilité encore. Agilité avec un dé en moins, vous êtes dans la flotte quand même. Hein. Ouais, bah. T'es en train de nager. Ouais, mais je suis très bon nageur. Non. Les amis, rejoignez-nous. Bah, je vais repayer un dé. Hein Archie. Foutez-lui la paix, Archie. 0. J'ai 2 réussites sur 5. Après, j'ai une suite, ça compte. T'as fait 0? Oui. Ok, tu tires. Et tu tires dans la jambe de Georgina. Ah! De toute façon, t'es déjà morte. Qui ne te dit rien? En fait, elle n'a rien ressenti. Oui, bah oui, je me doute bien. Il y a un truc qui transperce le corps. Archie. J'ai cru que t'allais faire. Aïe. J'ai eu 2 réussites sur 5. Ok, tu tires. Ça touche une des créatures et à nouveau, ça la blesse très très légèrement. Mais est-ce que ça nous permet de les distraire juste le temps de passer? Pas du tout. Ah, c'est vachement bien ça. Je me sens mal. Je me sens très très mal. De toute façon, là, le truc, ça va être toi qui cours d'un côté, moi qui cours d'un autre. Ouais. Il y a pas de soucis. Ouais, bah du coup on se sépare, on essaye de feinter une des créatures pour pouvoir se barrer. Avant que vous faites ça, les créatures commencent à communiquer entre elles et elles ont trouvé une tactique. Oh merde. Vous savez, elles avaient mis leurs tentacules dans l'eau.
Ouais. Et elles ont réfléchi, elles se sont dit, mais en fait, on va marcher sur nos tentacules. Donc, elles mettent les tentacules dans l'eau, et elles vont à votre rencontre. Il est pas très profond, quand même, le lac. Hein. Où les tentacules sont plutôt longues. Ça change rien qu'on peut quand même essayer de se barrer en courant, enfin, se barrer... Chacun à côté. Agilité. Ouais. Un dé en moins. Moi, je vais... On va refaire un espoir. Le dernier. Et un dé. Le dernier. Oui, non. Comme ça, comme ça. 8. Sur le D8. Le D8, 1, 2, 3, raté. 4, 5, 6, ok. 7, 8, c'est ok. Et tu le relances. Ok. Moi, j'ai fait 7 sur mon dé d'espoir. Je relance aussi. Ok, raté. Donc, 1, 2, 3, 4 réussites. T'as un 0 sur le deuxième. Donc, j'ai fait 3. Ok. 3 réussites. Gina, t'es la première à atteindre terre. Tu as réussi à nager assez vite et elles ne t'ont pas attrapé. Ce qui n'est pas le cas de ton comparse. Ça va bien. Merde. Tout va bien. Oh non, je vais jamais m'en sortir seule. Tu te sens bien. Comme vous deux, vous vous sentez dans une sorte d'extase. Gina. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de le voir mourir. Enfin, ça dépend du point de vue, mais... Par les tentacules. Je vais courir. Tu cours où? Je sais pas. Vraiment là, je suis perdue. Je vais retourner vers le point de vue. Parce que en fait, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas où je vais. Cours vers le point de vue. Je vais courir vers le point de vue. Fais-moi un test de perception. Perception. De plus. Observer. Ouais. Et j'achète un dé. C'est pas la peine. Deux réussites sur trois. En haut du point de vue, tu observes à peu près les lieux puisque c'est d'ici qu'on voit à peu près toute l'île. Ouais. Tu vois qu'il y a les quatre qui te suivent. Mais t'en as une dizaine d'autres à peu près partout. Oh putain. Le désespoir. Tu peux toujours t'auto-réconforter. T'es à combien de tension là? Je suis à 15. Tu peux monter directement à 20. Je suis à 20. En vrai, qui savait que regarder les étoiles pourrait être aussi dangereux? Je regarderai plus jamais la première fois. Tu l'as jamais fait ton vin? Non, je l'ai jamais fait mon vin. Fais-moi ton test de perdre les pédales. Oh là là, va perdre les pédales toute seule, il y aura personne pour la. En vrai, là c'est. Lance-moi ton dé. Ne peut pas le faire, ne peut pas le faire. C'est. Il y a personne pour la safe. Elle va perdre les pédales toute seule. Le seul moyen qu'elle soit safe, c'est qu'elle se fasse transpercer par une tentacule suffisamment tôt avant qu'elle se foute en l'air. Franchement, c'est le seul truc qui peut te sauver. Ouais, on est dans un sentiment d'extase, nous on va très bien. Je vais pas bien du tout. Richaud, tu feras attention derrière toi avant de te rasseoir. Voilà, juste. Jusqu'ici, quoi. Va bien. Des vins, pardon. Oui, tu peux encore t'en sortir comme ça. Douze. Oh là là. C'est un 12. Oh, le faux con. Ah, il a... Ouais, t'es tellement sadique. No. Arrête de sourire. C'est quoi ça? Ça a l'air de rire. Gina devient folle et commence à tirer sur toutes les créatures qui se dirigent vers elle. Sylvester Stallone. I'll be back. Et elle tire toutes les balles qu'elle a jusqu'à ce qu'il s'approche. Tout va bien. T'es dans un sentiment d'extase. Je vais bien. Nous allons bien. Je vais lancer... Nous leur allons bien. Je vais lancer Nous sommes ensemble.
je vais lancer le prologue et je vais vous demander de pas forcément parler sur la fin de cette histoire. Vous pouvez réagir, mais vraiment très court, d'accord ? Tout va bien. T'as un sentiment d'extase. Et... t'aurais pu penser que dans la mort, tu te sentirais seul, tu te sentirais dans le noir et tout ça. Et étonnamment, non, tu ne te sens pas seul. Puisque vous êtes en conversation, presque Skype, tous ensemble. Vous arrivez à parler entre vous. Vous avez la même pensée, vous avez... c'est une vision. Ça va ? Il y a même Rafa qui fait hey, « on est pas bien !» Hey, tout va bien. Tout va bien. Les créatures commencent à vous ramener vers le terrain de golf. Évidemment. Commencent à monter dans cette lune qui commence à s'envoler avec vous dans le ciel. Incroyable. Vous voyez des planètes que vous observiez depuis un bon moment. Vous voyez la Lune. Vous passez Jupiter. Vous allez beaucoup plus loin que où vous ne pouviez imaginer. Un moment, vous prenez sur la gauche, vous rentrez dans un trou noir. Vous ressortez. Donc vous empruntez ce trou noir et vous ressortez encore plus loin. Vous arrivez sur une planète dont vous n'avez jamais entendu parler, une planète qui ressemble à aucune autre. Wow. Une planète où se trouvent des milliers de créatures comme votre... vos nouveaux autres en fait. Comme nous. Voilà. Les nouveaux amis. Vous êtes accueillis comme des dieux. Ah ouais, vous êtes célébrés. Bonjour. Ils vous accueillent, ils sont tous là, ils sont tous contents de vous voir. Certaines tentacules viennent vous caresser juste parce que c'est la première fois qu'ils voient des créatures aussi bizarres que vous. On se fait la bise. Bonjour. Le plus grand d'entre eux arrive. Sa tentacule se transforme sous vos yeux et entaille vos crânes. On extrait vos cerveaux afin d'y faire des tests pendant des millions d'années. Félicitations à vous. Vous avez terminé cette partie et pas de la meilleure façon qu'il fallait. Sérieux ? Non, c'est la pire fin. Bah oui, tu t'attendais que ce soit la bonne fin. Alors, je vais vous le dire franco. Après, je sais pas comment on aurait pu s'en sortir en vrai, mais... En tout cas, c'était très drôle. Merci à vous quatre. Des bisous là-dessus. C'était les chants de Tyndalos et c'était trop bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. On n'avait pas d'armes suffisamment pour se défendre. Voilà. Non, ok. On avait les fusils. Moi, j'étais éclopée à ce fuck. Non, mais je trouvais que c'est en termes de JDR, enfin c'est t'as pas de truc de combat en fait, c'est vraiment de l'instantané et ouais. De comme ça. Donc je me suis dit mais en fait les tentacules, on n'arrivera jamais à les battre. Donc dans ma tête en fait j'étais presque résignée dans le sens où ça sera comme ça. Mais il aurait fallu peut-être aller checker les chalets en fait. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est la, fallu le cinéma feux, ou le cinéma, c'est les lumière, endroits. Plus de lumière. On aurait dû faire un gros feu de camp sa maman quoi, pour faire beaucoup de lumière. Je fais une petite parenthèse. Si jamais vous voulez pas trop vous spoiler, n'écoutez pas la suite. Dans le prochain MP3, vous avez le débrief de cette partie.
Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Ekaterina, Pevert, Nicolas, Miyakus, Mr. Badger, Sashiro, IY, Metentis, Calwin, Lord Purple Peignoir, Monololo, Zenigata, Yoti, Itineris, Claxus, Laurent Doucet, Thomas, Titus, JPPJ, Flaming Fox, Johan Laurent, Gridette, Dugo Elan, Gary, Lia et Vlad, Emilien Mazé, Yuri Charbonnel, Mineroll, Yarn, Léo Whitelighter, Gandalf, H2Os, Gelikli, Richult, Stan Leroux, Lérian, Kat, Orchidée Choucroute, Thomas Le Cavalier, Jean-Marie Poincelet, Herminic Blanc, Lindex, Elana, Miskami, Yuki, Ningario, Anya Kriston, Capoué, Gigit, Raven Harley, Arthur Milker, Melectric, Cubix 2, Goose 3717, Dafmot, Gaxun, Mary Holmes, Elmorel, Clémency et Socoline. Vous nous aidez énormément, merci infiniment. Si vous avez aimé À Tour de Rôle, n'hésitez pas à partager et commenter notre podcast, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast.